Elle est dans le train, elle est nage. C'est une confrontation entre mon travail et qui se veut contemporain, qui l'est de fait, et une histoire de, une partie de l'histoire de l'art, donc le château de Chambord qui est de la Renaissance. Donc c'est sont deux visions différentes de différentes époques, et de trouver, bon voilà, c'est un endroit où on peut une occasion de trouver des passages entre différentes façons de penser finalement.